Heureux de vous retrouver, ça fait bien longtemps, dans le cadre de ce briefing spécial consacré à la présentation de la carte d'identité. Après plus de 40 ans, c'était un objectif que notre gouvernement a signé sous la direction du président de la République, évidemment Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous tous, vous aviez vu le 30 juin dernier, les présidents de la République récupérer sa carte d'identité. C'était évidemment le premier Congolais à le faire. Et depuis le temps, il y a eu beaucoup d'attentes. Moi-même, je me suis vu prise à partie plusieurs fois. On m'a rappelé ce qui avait été dit un jour ici, que la carte serait disponible. Et depuis le temps, beaucoup de choses ont été faites parce qu'il fallait préparer cette opération qui nous permettra de savoir finalement combien de millions de Congolais sommes-nous. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de venir devant toute la nation et à travers vous les médias, de présenter cette carte d'identité. Moi qui vous parle ce matin, j'ai eu le privilège d'être un peu parmi le premier qui en sont bénéficiaires. Ma carte, je l'ai. Vous aurez l'occasion d'en comprendre les spécificités tout à l'heure et nous aurons aussi bien évidemment l'occasion dans le cadre de cet exercice spécial de vous donner un certain nombre de détails sur ces processus qui vient finalement nous redonner notre véritable identité et le lien qui nous réunit à notre cher pays, la République démocratique du Congo. Et donc, ce soir, je suis entouré de M. Stanislas Kenza à ma gauche, qui est directeur général ad intérim de l'Office national de l'identification de la population ONIP, et de M. Cédric Huet, qui est directeur Afrique de la société IDEMIA, qui travaille avec l'ONIP dans le cadre de la production de ces cartes. Pour rappel, IDEMIA, c'est une société, c'est les leaders mondiaux dans l'identification. Pour référence, c'est IDEMIA qui fournit le permis de conduire dans tous les États-Unis d'Amérique. Comme pour dire que nous avons pris toutes les précautions pour nous assurer que la carte qui sera donnée aux Congolais soit une carte qui réponde à des exigences, notamment des sécurités. Nous aurons l'occasion, à travers cet exercice, de vous en faire la démonstration. Et je voudrais donc donner la parole à monsieur Stanislas à ma gauche, qui est directeur général ad intérim de l'ONIP. D'abord, pour nous rappeler les missions dévolues à cet établissement public et aussi pour nous dire les processus qui a conduit aujourd'hui à l'aboutissement de l'octroi de la délivrance de cette carte et pour lequel, en tout cas, les travaux s'est fait pour que dès demain, que les Congolais, que les membres du gouvernement, les honorables, tous les enseignants, les fonctionnaires et toutes les catégories sociales, et même les mamans malewa, et même les enfants, on aura l'occasion de le redire, puissent être identifiés et incorporés dans les fichiers généraux de la population. Monsieur le directeur général, bonsoir. Nous sommes heureux de vous associer dans le cadre de cet exercice généralement réservé aux membres du gouvernement de redevabilité. Mais ce soir, nous voulons faire un focus sur ce que nous considérons comme un accomplissement majeur, une promesse qui a été réalisée, celle de donner aux Congolais 40 ans plus tard une carte d'identité. Vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le ministre. Merci d'avoir donné certains éléments que je devais donner. Je crois que vous êtes Congolais parce que vous êtes bénéficiaire de la carte d'identité produit de l'ONIP. Excellence, Monsieur le ministre, collègue directeur général, Mesdames, Messieurs les journalistes, je tiens à vous remercier au nom de l'Office et au nom propre pour l'occasion que vous me donnez d'informer les Congolais sur l'évolution du processus d'identification et de la délivrance de la carte d'identité qu'on a commencé à donner.
créé en 2011, l'Office national d'identification de la population a effectivement commencé son travail en 2014. Et à ce jour, nous pouvons vous dire que nous avons fait un pas, mais avant d'arriver à ce pas-là, je sais vous donner les missions dévolues à l'Office d'identification, qui sont nombreuses, mais dont les principales sont l'identification systématique effective de la population, la constitution du fichier et l'entretien de ces fichiers-là, la population, et enfin, la délivrance de la carte d'identité, action à laquelle nous sommes en train d'assister. La dernière carte, vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, vous avez quel âge, je ne sais pas moi, date de 1984, qu'on a appelé Maya Pondo. Alors, pour arriver à cette action que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il a fallu qu'un homme, j'ai cité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, donne sa vision sur l'identité du Congolais, décide en ce que les Congolais aient une carte. C'est en ce moment-là que l'Office a mis toute la batterie en marche pour arriver à approcher un partenaire qui se trouve à la droite du ministre. Il s'agit de Idemia Afritel, qui aujourd'hui est à nos côtés, en train d'étudier, en train de planifier pour arriver aujourd'hui à l'effectivité de notre travail, de notre produit. Le produit, c'est quoi? C'est la carte d'identité recherchée par tous les Congolais. De manière à ce que vous puissiez partir de votre identité anonyme pour l'identité certifiée, c'est-à-dire l'identité identifiée. Nous avons commencé ce travail depuis le 30 juin de cette année, par l'octroi de la carte au président de la République lui-même, le premier citoyen. Et à ce jour, nous venons de le démarrer parce qu'il fallait faire venir les équipements par l'octroi de la carte, à son excellence, monsieur le ministre. La suite va suivre demain avec l'identification des masses et l'identification des personnalités ciblées, dont l'identité est irréfutable. Voilà en quelques mots ce que nous sommes en train de faire, voilà en quelques mots ce que nous devons faire, et votre tour viendra pour que vous puissiez passer à cette action et arriver à votre produit, le produit que nous attendons tous, la carte d'identité nationale. Voilà, excellence. Voilà, merci pour vos mots introductifs. On va se tourner du côté de M. Cédric Huet. Vous êtes directeur Afrique d'IDEMIA. Vous êtes leader mondial dans les secteurs de l'identification. Je rappelle que vous gérez, par exemple, la plus grosse base de données privée dans le monde avec plus d'un milliard de noms. Alors, on voudrait brièvement que vous puissiez nous dire ce que vous faites en République démocratique du Congo, évidemment, avant de nous présenter la carte, ses spécificités techniques, pour que les Congolais comprennent que, par exemple, la technologie qui est utilisée dans cette carte est une technologie qui est utilisée pour la première fois mondialement. Oui, merci. Merci de votre confiance. Et IDEMIA est très honoré et très fier de pouvoir apporter sa technologie à la carte d'identité congolaise. On va voir les différents éléments de sécurité de cette carte qui l'amènent à un niveau de standard international. Il y a des éléments dans cette carte importants qui vont permettre de garantir à tous les citoyens congolais d'avoir une identité fiable. IDEMIA est une entreprise qui agit dans le monde et nous sommes heureux de pouvoir apporter ce concours à la RDC. La carte est une carte durable, dans des matériaux durables. Elle est faite pour pouvoir résister aux intempéries et pour pouvoir aider les citoyens à porter leur identité partout où ils sont. Elle a des éléments de sécurité que vous pouvez voir ici.
des éléments importants. Évidemment, on retrouve les éléments de l'identité de la personne, mais au-delà de ça, c'est le savoir-faire d'IDEMIA qui est apporté sur la carte elle-même et tous ces éléments qui sont visibles ou invisibles. On peut retrouver notamment cette photo que vous voyez ici, qui est quelque chose d'unique en termes de technologie et qui est apporté à la RDC. C'est une photo qui est gravée en couleur dans le polycarbonate. Ce n'est pas une photo qui est sur la surface de la carte, c'est vraiment une photo qui est gravée dans la masse de la carte. Ça la rend infalsifiable. Ensuite, il y a des éléments de sécurité importants. Donc, j'ai parlé du portrait couleur. Vous verrez qu'il y a une deuxième image, photo de la personne, ce qui renforce encore la sécurité. On trouve des impressions dites offset arc-en-ciel, donc avec des dégradés de couleurs qui sont importants et difficiles à reproduire. C'est de la technologie de billets de banque. On retrouvera ce qu'on trouve toujours, comme dans les billets de banque, les lettres du Congo que vous verrez sur cette carte. Il y a un QR code personnalisé au dos de la carte qui permettra les usages avec notamment des téléphones portables, mais qui est sécurisé. Et enfin, il y a deux éléments importants. Une zone qui est lisible par les machines optiques, c'est les mêmes zones que vous avez sur vos passeports. Et une partie avec un léopard qui a des encres qui sont variables en fonction de l'orientation de la lumière. Ce sont tous des éléments de sécurité. Un dernier que je n'ai pas cité, mais qui est important, il y a une puce dans cette carte. Ah oui. Alors, il y a des avantages, évidemment, comme vous pouvez le voir sur la présentation. On peut revenir sur le tableau précédent, s'il vous plaît, pour montrer les avantages d'avoir justement de pouvoir disposer d'une carte d'identité, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan économique. Parce qu'ici, par exemple, on aura un identifiant unique. Peut-être que les experts pourront revenir pour expliquer un identifiant unique. En réalité, c'est l'identifiant qui vous permettra, par exemple, si on veut suivre, si vous avez payé vos impôts et toutes les questions qui sont liées, et un peu comme ça se passe dans les autres pays du monde. Et donc, on va continuer la présentation, mais on voudrait passer rapidement à la série de questions pour pouvoir vous donner des réponses qui vous éclairent sur le processus, notamment, qui va aboutir à l'octroi de la carte à tous les Congolais. Je disais donc tout à l'heure, les avantages, notamment sur le plan politique, la restauration et la consolidation de l'autorité de l'État sur la population, la garantie des droits démocratiques tels que le droit de vote, la réponse aux besoins liés à la préparation, par exemple, du processus électoral, par exemple, parce qu'on va disposer d'un fichier général de la population. Vous aviez entendu que lorsque la CENI travaillait en mode mutualisation. La CENI collectait des données pour l'enrôlement, pour des besoins électoraux, qui pourront servir à être complétés pour l'enrôlement maintenant, pour les besoins généraux de la population, parce que pour les élections, on enrôle à un certain âge les majeurs, mais pour l'identification, on va jusqu'à identifier des nouveau-nés. Et donc, ceci nous donne un aperçu général, un fichier général de la population. Par exemple, pour les processus électoraux qui viendra, on n'aura plus besoin de faire l'enrôlement. On pourra progressivement commencer à extraire la population, on fera des économies de l'ordre de 400 ou 500 millions de dollars. Et donc, il y a un document, évidemment, qui vous sera offert à la fin de cet exercice, parce que nous voulons que vous puissiez vous approprier et comprendre les conséquences ou ce qui va changer avec l'arrivée de cette carte d'identité. Comme ça, nous sommes sûrs que tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, disposeront de ces précieux sésames avec un numéro qui sera géré par l'Office national de l'identification de la population, et nous pourrons être sûrs que nous tous, on est congolais, on sait l'éprouver, et plus d'attestation, de perte de pièces, etc., comme ça l'était. Évidemment, la carte que vous voyez, c'est un prototype, un spécimen, et que le nom et le reste, c'est peut-être pas quelqu'un qui existe. Il ne faudrait pas considérer qu'on a exposé quelqu'un. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ces propos, et on pourra évidemment répondre à une série de questions pour plus d'éclairage. On commence par Madame Kitty Tarachet.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Je commence par la question de l'identification nationale. C'est vrai, on a suivi les explications, mais moi, j'aimerais savoir, à tout projet est délimité dans le temps. Vous commencez effectivement quand et vous comptez terminer quand l'opération d'enrôlement et d'enregistrement d'identification des Congolais à travers la République. Et puis, est-ce que à combien vous évaluez ces opérations d'identification des Congolais? Pour les cas pratiques, quelqu'un qui nous suit à Haro, par exemple, qui entend parler de l'identification, de quelles pièces, par exemple, il faudra se munir pour se faire identifier? Quelle est la procédure ou processus des étapes à suivre pour obtenir sa carte d'identification? Une question d'actualité au porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, vendredi 15 décembre, est né à Nairobi un mouvement politico-militaire dirigé désormais par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Dans la salle, aux côtés de Bertrand Bissimoy du M23, monsieur le porte-parole du gouvernement, vous avez suivi. Quelle est votre réaction à ce sujet? Écoutez, j'aurai l'occasion de répondre à cette question qui, de mon point de vue, n'est pas plus importante que la matière que nous vous présentons ce soir. Ayez vos apaisements. D'ici la fin de cet exercice, j'y reviendrai pour être sûr qu'on y répond une fois pour toutes. Je sais qu'il y a d'autres confrères qui voudront réagir, mais nous pourrons y revenir. Monsieur le directeur général, comment ça va se passer donc pour disposer de la carte? Moi, j'ai rempli, évidemment, il y a un formulaire, vous remplissez, vous donnez vos données, mais je souhaite que vous puissiez expliquer le process pour que tous les Congolais les comprennent. Excellence, Monsieur le ministre, merci. Les processus sont simples. L'identification, les Congolais se présentent devant l'agent, avec sa carte d'électeur nécessairement, parce que nous vivons le processus de la situation de pyramide renversée, parce que c'est l'ONIP qui devait identifier la population pour arriver à donner le fichier de majeur, une partie du fichier électoral, qu'est-ce que je disais, devait identifier les Congolais pour qu'ensuite ils puissent donner une partie de ce fichier-là, constitué de majeur, à la CENI. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, peut-être à cause de moyens. Et nous recevons de la CENI ce fichier-là des électeurs pour pouvoir donner la carte d'identité. S'agissant de l'identification, c'est tout le monde qui serait identifié, madame. Du nouveau-né jusqu'au dernier, jusqu'à celui qui doit mourir. Comment on va se présenter? On peut avoir sa carte d'électeur, on peut avoir son permis de conduire, on peut avoir son passeport ou autre chose. Si on ne peut pas avoir ces documents-là, nous devrions faire appel à trois témoins pour témoigner de votre nationalité congolaise sur place, madame. C'est comme ça que ça doit se faire. Voilà, vous avez un petit complément sur le process, non pas à ces stades. Alors, on va prendre... Bon, madame, je sais que... pour répondre à votre question, comme ça, on va évoluer. Mais d'abord, ça n'a rien de surprenant. Nous vous disons depuis plusieurs semaines ici que les opposants préparent plus la contestation que les élections. Et à quelques jours justement de la tenue des élections, on veut faire peur aux Congolais. On veut faire peur aux Congolais pour dire, écoutez, il y aura pas, d'abord on dit qu'il n'y aura pas élection, ensuite on dit, bon, les résultats, etc. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là, dans ces polémiques. Mais il y a quand même quelques éléments d'observation que cet exercice rappelle. Ici, M. Corneille Nanga, je n'aime pas parler des individus, mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut ne pas être d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait, mais de là, on voit des déclarations tapageuses, mais de là, à franchir les caps d'un mouvement armé, c'est de ne finalement rien comprendre justement de la démocratie que lui, il était censé ou qu'il est censé lui défendre. On ne va pas lui faire son débat, il sait de quoi il parle. Mais vous savez, Madame Rachel, on a vu de mouvements rebelles politico-militaires s'écrier ici. Ces mouvements politico-militaires
ne s'écrase pas dans un hôtel 5 étoiles dans une capitale étrangère qui n'est pas frontalière de la RDC. Il aurait été plus vaillant, parce qu'on en voit, on en entend derrière les écrans, pour des besoins de buzz, on fait des déclarations et on pense pouvoir faire peur aux Congolais pour les dissuader de ne pas aller voter, ou parce qu'ils savent que je ne voudrais pas politiser les briefings de ce soir. Vous-même, vous voyez la campagne, comment elle se déroule, on peut présager de ce que seront les résultats. Et donc, c'est une forme, à mon avis, je ne dirais pas de lâcheté, mais écoutez, il aurait été peut-être plus vaillant alors en disant, à partir de tel coin, je fais cette déclaration. Bon, on va continuer. Et c'est tellement grave ce qui s'est passé que nous ici, nous vous disions qu'ils sont ensemble contre la République. Moi, je voudrais ce soir, je sais que M. Moïse Katumbi, qui est candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katumbi a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nanga lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc aujourd'hui, comme nous pensons qu'il y a un complot contre la République qui part du Rwanda, avec évidemment les terroristes du M23 et qui s'y trouvent des alliés, notamment M. Corneille Nanga, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi et pour qui vous savez que sa campagne est battue et faite par des trolls rwandais ou par les Rwandais, ils battent sa campagne sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cadres, on en fera la démonstration. Et vous savez que M. Salomon, qui est très proche de Moïse Katumbi, a été interpellé, évidemment parce qu'il y a des liens étroits qui ont été établis avec les Rwandais. Il y a un besoin, parce que nous considérons, je considère que M. Moïse Katumbi est un démocrate, il y a un besoin pour lui de se désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Corneille Nanga, même s'il n'a pas cité ses alliés. Mais on peut présager, au regard de faits que je viens de relever ici, qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils les disent publiquement. Auquel cas, nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le processus. Les processus peuvent avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui était censé, lui, être ou qui a été à un moment donné au cœur d'un exercice démocratique d'une commission électorale puisse être celui qui veut la mort des Congolais. Parce que lorsque vous dites politico-militaire, ça veut dire que vous devenez rebelle, ça veut dire sûrement que peut-être demain il sera incorporé dans les rangs du M23, ça veut dire qu'ils sont responsables, il deviendra de ces faits responsable de massacres qui sont commis sur les populations. Est-ce que de cette manière-là qu'on peut jouer un rôle de régulation ou de sauveur, parce qu'on pense peut-être qu'on s'est réinvesti de pouvoir surnaturel pour venir sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer, entre guillemets, passez-moi l'expression. Et donc, je pense que c'est un comportement antipatriotique et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Moïse Katumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement parce qu'il est hors des questions de faire couler les sangs de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences. Aura des conséquences parce que le Kenya, par exemple, nous doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lequel nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est, peut accueillir des activités subversives? Il y aura évidemment des conséquences diplomatique. En tout cas, il y a une procédure diplomatique qui sera mise en place. Peut-être que les VPM étant en campagne, c'est là. Mais sur le principe, le Kenya doit nous expliquer ce qui se passe. Et puis, dans les mêmes registres, vous avez vu que nous avons obtenu un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, il y a quelques jours, et vous pouvez vérifier des nouvelles du front. Nous apprenons qu'il y a un cessez-le-feu qui a été prolongé de 2 semaines. Et donc, nous sommes en train de régler le problème qui fait qu'il y a 1 million de Congolais qui sont déplacés, qui font qu'il y a 1 million de Congolais qui ne seront pas en mesure de voter. Nous voulons régler les problèmes au prix de plusieurs sacrifices. Et voilà quelqu'un qui s'est dit patriote, qui aime le Congo, penser pouvoir par les armes, par la mort,
par des massacres de Congolais, pensaient pouvoir revenir au pouvoir ou réoccuper de postes et des responsabilités. C'est antipatriotique, je le répète, et j'espère que j'ai été assez clair sur les sujets. On peut revenir pour parler de la carte. On va prendre la prochaine question avec Jacques Waïkan. Vous dites ? Je crois que c'est une durée indéterminée, parce que jusqu'à ce que tous les Congolais pourront être identifiés, c'est un exercice permanent l'identification, parce que peut-être que je vous le souhaite, peut-être que demain vous pouvez avoir un nouveau-né, on aura besoin de l'identifier. Et donc le fichier général doit être maladie. L'identification est une action pérenne, c'est une opération pérenne. C'est une opération. Notre ville le feront tant que le NIP sera là. À tout moment, nous le ferons dans vos villages, dans vos secteurs, dans vos territoires, pour remonter jusque dans vos villes. Donc, nous n'aurons plus besoin d'ici une année de fichier qui sera fait par le CENI, choses comme ça. C'est le NIP qui s'en occupera. Donc, voilà. Voilà. On va prendre la question de M. Waïkani. Merci beaucoup. J'ai une question pour le directeur. Dans d'autres pays, le ministre a dit que vous êtes le leader, même aux États-Unis. Dans d'autres pays, je sais par exemple, avec les données de la carte d'identité qui est effectivement biométrique, on a plus, le ministère de l'Intérieur synchronise aussi avec tout ce qui a trait avec le passeport, permis de conduire. Comment ça va se passer la synchronisation chez nous ici? Parce qu'on connaît très bien comment ça se passe. Chaque entité avec ses propres données, c'est le début bien sûr, mais d'abord comment ça va se passer? Est-ce que c'est la même chose avec votre carte, par exemple avec le ministère des Affaires étrangères où on a les données automatiquement de chacun parce que la carte d'identité c'est le premier document, comment ça va se passer? Bon, merci de votre question, c'est une très bonne question. C'est un système, derrière la carte d'identité il y a un système. Ce système, il est mis en place et il se construira au fur et à mesure. On ne va pas tout réaliser en un jour. On ne va pas connecter tous les systèmes entre eux en un jour. Par contre, la garantie que nous, on apporte en tant qu'IDEMIA, c'est que c'est un système qui est connectable, qui a toutes les interfaces pour pouvoir le connecter aux autres systèmes. Après, la responsabilité ou le désir de le connecter, c'est la responsabilité de l'État congolais. Nous, on apporte la technologie pour ça. Et on vous garantit que ça sera faisable. Après, c'est une question de volonté. Ah bon, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un identifiant unique. Parce que finalement, oui. Quand on parle de passeport, quand on parle de permis de conduire, quand on parle de carte d'identité, il s'agit d'un même individu. Comment cela se remet en place? Parce que nous-mêmes aussi, comme gouvernement, nous avons justement cet objectif d'avoir un numéro par Congolais. L'identifiant unique, au-delà d'être un numéro unique, il doit être attaché à une personne physique unique. Les systèmes que nous allons déployer derrière la carte d'identité, c'est un système biométrique qui va permettre de garantir cette unicité. Tout numéro unique sera rattaché à une personne physique. Demain, une des premières applications, effectivement, de la carte d'identité et du fichier général de la population sera, par exemple, la possibilité d'obtenir un passeport sans que cette identité soit discutable. Aujourd'hui, quand vous prenez un passeport, on va vous poser encore beaucoup de questions, vous devez amener beaucoup de documents. Demain, cette démarche sera simplifiée. Évidemment, dans un but ultime, les systèmes seront connectés. Mais déjà, le premier bénéfice d'avoir cette identité et ce numéro unique, ça sera l'obtention plus facile et plus directe d'un passeport, puisque vous n'aurez pas à amener beaucoup de documents d'identité comme vous le faites aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à votre question. On va prendre la question de M. Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la composition graphique de cette carte d'identité, on peut savoir le niveau de collaboration que vous avez eu, l'ONIP, avec d'autres cellules de l'État, telles que la cellule interministérielle de l'image de marque du pays et l'Agence de développement du numérique. Et aussi, une deuxième question. La sécurisation des données de chaque personne qui est identifiée. Est-ce que vous pouvez nous donner les assurances à ce sujet? Puisque il y a le Congo, on peut l'avouer, n'est pas très développé en termes technologiques et informatiques.
comme les États-Unis. Donc, on est toujours face à des piratages. Quelle est la sécurité? Quelle est l'assurance de sécurité qu'il y a dans la gestion de ces données personnelles? Et aussi, une dernière au directeur général, où le Congolais doit se rendre pour avoir sa carte d'identité? Où le Congolais doit-il se rendre pour avoir sa carte d'identité? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien capté votre première question, mais ici, vous avez parlé du degré de collaboration avec les structures... En fait, je peux répondre, si vous me permettez. Oui, s'il vous plaît. C'est que dans la composition de cette carte, il y a des éléments graphiques. Vous avez présenté ici les léopards, les armoiries, tout ça, les armoiries. Je veux savoir quel est le niveau de collaboration, l'intervention, s'il y a eu lieu des autres structures de l'État telles que l'Agence de développement numérique et la cellule interministérielle sur l'image de marque, puisqu'il y a eu une résolution dans un des conseils de ministres à ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des résolutions de conseil de ministres à ces sujets. Peut-être que si les directeurs a des éléments supplémentaires, ils pourraient l'accorder. Mais ici, dans la carte d'identité, le souci principal, c'est de relever l'identité du pays. Vous avez vu qu'il y a le drapeau, vous avez vu qu'il y a les totems nationaux, les léopards, et qui sont en fait des éléments que nous avons utilisés dans le cadre du travail que nous avons fait dans le cadre justement de la charte graphique du gouvernement. Évidemment qu'il y aura sûrement des interactions avec le ministère du numérique, parce qu'il ne faut pas oublier que le NIP travaille sous la direction du ministre de l'Intérieur et que tout ceci, c'est lui le véritable patron du secteur et de ce qui se fera. Donc il y a évidemment un besoin de collaboration avec des services, notamment de sécurité, parce qu'il s'agit ici d'identifier les populations. Peut-être que si vous avez un élément complémentaire, vous pouvez le dire, mais surtout il faut nous indiquer comment les Congolais vont faire, où les Congolais doivent se diriger pour commencer à obtenir leur carte d'identité. Vous avez bien répondu en ce qui concerne sa première question en rapport avec la collaboration des autres services, avec les autres services de l'État. Nous avons collaboré avec le ministère du Numérique. Nous sommes arrivés à la signature d'un accord, d'un protocole d'accord qui nous a permis de parler aujourd'hui du identifiant unique, ou du numéro unique que nous pouvons avoir. S'agissant de l'endroit, quelle est la question qu'il a posée? Oui, où est-ce que les Congolais peuvent se rendre à partir de demain, par exemple, c'est de Kinshasa? À partir de demain, la minorité composée de certaines personnalités politiques, des artistes et autres, dont l'identité est réfutable, connue, parce que quand on parle du ministre Mouyaya, il n'y en a pas deux. Mais lorsqu'on parle d'un certain Kahemba ou choses comme ça, il se pose un doute. Donc, celles-là devront se présenter, je ne dis pas les personnalités dont on venait de parler, vont se présenter dans un des locaux du ministère de l'Intérieur demain pour être identifié, en même temps pour donner, recevoir sa carte plus tard. Et dans l'entretemps, il continuera à se faire l'identification de masse du côté du palais du peuple. Voilà, pour demain. Le reste, lorsque nous allons commencer sur l'ensemble de la ville, vous allez constater l'emplacement de postes au niveau des communes, au niveau du quartier, où vous pourrez vous rendre pour être identifié et recevoir votre récépissé, qu'on peut appeler aussi reçu, et plus tard, recevoir votre carte. Et donc, ça veut dire qu'il y aura... parce qu'au départ, lorsque vous dites des personnes dont l'identité ne peut être refutée, ça veut dire que, bon, Patrick Mouya, on le connaît, il est seul au Congo. Ouais. On parle de ces postulats-là. Non, ben, il n'est pas seul, mais il est connu. Il est connu. Il a une identité qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se douter. Donc, c'est bon cela. Ensuite, alors, pour les Ensuite, autres, il y a un... Pour les autres, il y a un processus qui va continuer. Et on le fera à Kinshasa, l'identification. À tout moment que vous êtes identifié, on vous remet votre récépissé en attendant. Donc, ce qui va se passer, c'est que le NIP va installer des centres. Oui. On discutait hier, je ne sais pas si le principe, en tout cas, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Poste, oui. On disait, par exemple, qu'on devait installer un site à l'Unikin pour permettre aux étudiants et aux personnes qui sont là de se faire. Donc, il y a toute une série d'opérations qui vont suivre celle qui a commencé aujourd'hui. Évidemment, on commence, ça, on dit, les ministres, les membres du gouvernement, c'est la catégorie, encore que tous les ministres ne sont pas disponibles parce qu'en campagne électorale, mais il y a des professeurs et d'autres catégories qui seront identifiés de demain et qui pourront disposer de leur carte, suivant évidemment un process, parce qu'il y a des formulaires qu'il faut remplir. Oui. Il faut donner des éléments. Moi, j'ai quand même été, j'ai trouvé que c'était quand même un peu difficile de trouver les références de ma grand-mère. Disons,
de la grand-mère de ma mère. Ouais, je crois qu'il y a, il y a des données comme celle-là, mais c'est des données qui vous permettront, qui permettront justement à l'ONIP d'avoir tous les éléments nécessaires lorsqu'il s'agit d'identifier un Congolais. Alors, il y avait des questions notamment sur les aspects sécuritaires. C'est vous, oui, les spécialistes, comment vous pouvez y répondre? Cette question est extrêmement importante et je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est une question qui touche à la confiance. On l'a dit en préambule, IDEMIA, c'est une entreprise leader mondial de l'identité. On a 135 projets d'identité dans le monde, il y en a 80 actifs à l'heure actuelle. Ces gouvernements nous font confiance. Et ils nous font confiance pour une raison qui est fondamentale. C'est que justement, nous protégeons les données à caractère personnel. Moi, je vous garantis qu'il n'y a pas une donnée d'identité aujourd'hui d'un Congolais ou de n'importe quel pays chez IDEMIA. La donnée qu'on collecte, enfin que l'ONIP va collecter ici, c'est une donnée qui appartient aux Congolais et qui reste sur le territoire congolais. Nous, on apporte la technologie pour garantir et certifier et sécuriser tout ça. Le système qui est derrière la carte, au-delà des caractéristiques de sécurité que je vous ai présentées tout à l'heure, de la carte qui sert à protéger le document lui-même, l'identité de la personne et s'assurer que le document n'est pas falsifié, il y a le système qui est derrière, qui est le fichier général de la population et qui va être installé progressivement dans le pays et qui va grandir progressivement avec les opérations de l'ONIP. Ce système est un système hautement sécurisé avec plusieurs couches de niveau de sécurité. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'IT ici, mais il y a ce qu'on appelle des pare-feux dans tous les sens et il y en a plusieurs niveaux de sécurité. Et c'est aussi un système dont l'accès est contrôlé. Pas n'importe qui ne peut accéder à ce système. Je ne parle même pas d'un accès logique, je parle même d'un accès physique. Pas n'importe qui ne pourra accéder au serveur. Ce ne sont que des personnes qui sont dûment certifiées, authentifiées et dont l'identité d'ailleurs sera bien contrôlée. C'est extrêmement important parce que c'est votre donnée. Ça appartient au peuple congolais et effectivement c'est notre devoir, nous, IDEMIA, de vous amener ces services de sécurité, ces solutions de sécurité pour protéger ces données. Donc il n'y a pas de données en clair, il n'y a jamais de données qui circulent en clair et il n'y a jamais de données qui circulent sur Internet. Ce sont des systèmes qui sont protégés. Pour répondre à une question que vous pourriez vous poser, si on doit faire la maintenance de ce système, ce seront évidemment des niveaux de maintenance. Il y a différents niveaux de maintenance et nos ingénieurs ne peuvent pas accéder aux données. On peut piloter des ingénieurs du Congo pour faire les premiers niveaux de maintenance. On peut intervenir sur site en garantissant que nous n'aurons pas accès aux données et on ne peut pas accéder à distance aux données du système. C'est-à-dire que votre système n'est pas accessible depuis des mois. C'est extrêmement important et j'espère que je vous ai rassuré. Merci. Voilà, on va prendre les questions de M. Jacques Mulumba et Paul Matendo et puis on en prendra une en Lingala. Eric Izami, venez poser les questions en série. On les enregistre, comme ça, on saura répondre en une vague. Merci. La première question, je l'adresse à M. le directeur Afrique IDEMIA. M. le directeur général, la population congolaise aujourd'hui est évaluée à 120 millions qu'on doit identifier aujourd'hui et cela dans les 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Est-ce que vous avez suffisamment de matériel pour couvrir toute cette population et comment cela va se passer? Est-ce que vous allez commencer avec une province, vous finissez et puis vous allez dans une autre bien, ça peut se faire simultanément. Avez-vous du personnel qualifié, du matériel pour arriver à cette fin? Et au directeur général de l'ONIP, vous avez été créé depuis 2011, mais est-ce qu'au niveau du ministère du Plan, il y a une cellule qui s'occupe du recensement de la population, n'est-ce pas? Vous êtes en train de travailler en collaboration avec la CENI. Qu'en est-il de cette structure du ministère du Plan? Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement d'attribution? Quand vous faites l'identification de la population, vous ne faites pas le recensement. Où est la ligne de démarcation? S'il y en a. Allez-y rapidement. Alors. D'accord. Et il y a une différence, bien sûr, qu'il y a un dénominateur commun de recensement. Au ministère du Plan, on fait ce qu'on appelle le recensement scientifique. Venir dans votre maison, dire il y a combien de gens, 10 personnes, on passe. Tandis qu'au niveau de chez nous, on fait ce qu'on appelle l'identification, le recensement administratif. On arrive, on dit vous êtes autant, c'est M. Mulumba, et vous avez combien d'enfants, vous avez quel âge, on descend, et tout le monde doit décliner
c'est son identité. Voilà la différence avec le plan. Le service dont vous parlez, c'est le bureau central, je pense, de recensement BCR. Oui, au niveau du ministère de plan. Voilà. Ben, parce qu'il y a toujours une petite confusion sur le sujet. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir compris? J'ai compris. Ok. Heureusement, parce qu'il y a toujours... Il y a plusieurs types de recensement. C'est plus la population qui doit mieux comprendre. Moi, j'ai compris. Ah, heureusement. Non, il dit que c'est plus la population qui doit bien comprendre. Mais c'est des petites nuances. Ce qu'on appelle enrôlement, c'est un recensement pour de fins électorales où on dit il faut avoir partir à partir de tel âge, on le fait. Ce que nous faisons dans le cas du fichier électoral, c'est un recensement administratif qui permet d'aller dans les détails. Ouais. Et ce qu'on fait au niveau du ministère du Plan, c'est un recensement scientifique. Qui signifie? Qui signifie, on arrive, on vous demande, monsieur Miraya, c'est tout, et c'est fini, on passe, on n'a pas besoin de connaître si vous avez une femme, vous avez ceci, on passe à la femme. Vous êtes combien ici? Vous êtes 5 dans la famille, on passe. On n'a pas besoin de connaître les détails sur chaque personne. Sur cette personne, voilà. Je pense que cela a été bien expliqué. Alors, il y avait des aspects qui vous concernent. Il y avait des aspects qui me concernent, mais pas complètement. Donc, je vais répondre à une partie de la question et je laisserai Monsieur le directeur de l'ONIP répondre à l'autre partie. La partie concernant les matériels, bien évidemment qu'il y a tout ça est fait avec un plan. IDEMIA apporte sa capacité. Nous apportons les matériels et la capacité. Nous avons la capacité d'apporter tous ces matériels. Après, il y a un plan stratégique de comment on adresse le pays. Et ça, c'est la responsabilité et c'est le plan du directeur de l'ODIP. Vous dites? Ouais, comment ça va se déployer? Parce qu'il y a une question qu'il a posée. Est-ce qu'on dispose de suffisamment de matériel pour identifier les Congolais dans tout le pays? Je pense que cette question-là, c'est monsieur le directeur général qui pouvait répondre pour savoir combien d'équipements ils ont et ils doivent être déployés dans combien de temps. Pour nous, nous nous sommes adressés aux leaders mondiaux, dont les équipements sont sur place et d'autres sont à la douane, et etc. Donc nous devons l'avoir. D'ici là, nous devons les déployer. De toute évidence, le pays, il est grand. L'enjeu, c'est d'arriver à identifier des dizaines de millions de Congolais, parce que nous disons qu'on est 100 millions. Mais grâce à l'identification, c'est là qu'on saura si on est 99 millions ou si on est 109 millions. Excellence, monsieur le ministre, comment moi, qui vais pour identifier les gens, je peux donner le chiffre des gens? C'est autant rester. Parce que nous voulons identifier. Or, le but de l'identification, c'est de connaître le nombre de Congolais. Comment je peux dire il y a 100 millions, 120? Non. Pour moi, je sais que... Mais approximativement, ça veut dire qu'on fait des projections. Oui, les projections sont pour ces gens qui ne sont pas de l'ONIP. Moi, je suis de l'ONIP, je vais faire ce travail-là pour arriver à cela. C'est clair, c'est subtil, mais on comprend bien la mission. Monsieur Paul Matendo, rapidement, on va enregistrer les questions, on répondra en une vague. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Première petite question. La carte que vous présentez, comment on va l'obtenir? Elle est gratuite ou bien à un prix à payer? Elle est gratuite. Très bien, merci. Alors, quel est le niveau de collaboration, monsieur le directeur général? Quel est le niveau de collaboration entre vous et l'INES? Mais nous faisons tous partie de la mutualisation. Le dénominateur commun avec l'INES, c'est le recensement. Mais plus loin, je parlais de recensement administratif, recensement scientifique. Mais nous sommes ensemble avec l'INES, avec le BCR, avec la CENI et tout ce que vous voulez là. Il y a des informations que nous passons entre nous pour pouvoir avancer. Sinon, nous ne serons pas à cette étape d'identification et de la carte que votre ministre venait d'avoir. Voilà, on va prendre M. Eric Izami. Je veux dire merci au ministre parce qu'il avait promis que les Congolais auront leur carte et ça sera avant les élections. Mais je voudrais savoir, parce que le grand frère a pris ma première question, ça sera gratuit, vous l'avez dit. Nous avons 145 territoires, même si c'est une activité pérenne. Mais vous, ONIP, Office national de l'identification de la population, vous devez quand même avoir une idée de ce que vous devez faire dans le temps. Je veux dire ceci. Nous avons 145 territoires. Quand pensez-vous avoir toutes les antennes ONIP auprès de qui la population pourra aller avoir des informations? Merci beaucoup pour m'avoir aidé parce que je suis aux côtés du ministre qui siège au gouvernement. Du gouvernement, nous attendons des moyens pour déployer l'ONIP à l'intérieur. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors, s'il y a des moyens aujourd'hui, je crois que l'excellence a l'habitude de m'étouffer. S'il y a des moyens aujourd'hui, nous arrivons à Kikwit, nous arrivons à Kisangani et partout ailleurs.
C'est l'intention depuis que nous sommes en place. Sur le principe, écoutez, tout à l'heure, on vous a parlé de la mutualisation. Je vous donne un exemple. À ma connaissance, le NIP n'est pas encore démembré dans les provinces. Mais la CENI l'est. La CENI l'est. Oui. Autant il peut y avoir des interactions sur ce qui concerne le fichier, par exemple, des électeurs par la CENI, qui peut être complété ou qui peut servir de base pour le travail de l'identification générale de la population, autant on peut recourir aux moyens de la CENI, notamment les démembrements, parce que la CENI a des antennes à travers le pays. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, c'est une activité qui sera pérenne. Elle commence demain, on ne peut pas vous dire qu'elle se terminera dans 6 mois, parce que ça ne se terminera jamais en réalité, parce qu'il y aura toujours de nouveau-nés, c'est quelque chose qui est très évolutif. Mais ici, dans la phase de lancement, il y a évidemment les processus qui concernent Kinshasa. Il faut regarder les dispositifs qui sont en cours, ou les capacités, peut-être que c'est la question qu'il faut poser. Quelle est la capacité d'IDEMIA aujourd'hui, dans cette première phase, combien peut-être de Congolais pourront être identifiés? Et c'est un exercice qui peut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, en fonction des matériels disponibles, en fonction de contraintes. Parce qu'il y a par exemple de sollicitations, d'avions, etc. Mais tout ceci, c'est des choses qui pourront trouver des réponses. Mais ici, vous l'avez rappelé, c'était un engagement qui avait été pris. C'était un engagement qui a pris du temps, parce que depuis le mois de juin jusqu'au mois de décembre, les 6 mois ont été mis à profit. Moi, aujourd'hui, j'ai été accueilli dans les locaux de l'ONIP, entre autres, pour faire ce qui a été fait. J'ai vu les dispositifs, j'ai vu des experts, une grosse équipe d'IDEMIA qui est sur place et qui travaille assidûment avec les amis de l'ONIP pour être sûr que dès que le processus est lancé, il est lancé de manière irréversible. Et donc, dès que c'est lancé aujourd'hui, c'est un processus qui va continuer. Romain Soumou, là, rapidement, parce qu'on va terminer. Il n'y a pas un journaliste pour poser une question à Lingala. Il est en campagne électorale, j'espère qu'il n'est pas candidat. Merci, Excellence. De tout ce qui a été dit, le volet formation n'a pas été évoqué. Formation. Formation. Les agents qui doivent assurer justement cette identification. Est-ce que l'ONIP a prévu un temps de formation de son personnel qui sera sur le terrain? Je prends l'exemple de la CENI. La CENI a son personnel. Vous avez posé la question, je vais vous répondre. J'ai dit que la formation a commencé aujourd'hui. Elle continue. Qui sont retenus pour la formation? Nos agents à nous de l'ONIP sont formés. Ils ont commencé la formation aujourd'hui. Nous allons, dès lors que nous allons aussi recruter, nous allons aussi former. Et nous, les journalistes du briefing, nous aurons nos cartes quand? Vous aurez la carte quand vous serez identifié, vous aurez votre carte, on vous donne votre reçu, vous attendez plus tard lorsqu'on va vérifier votre identité. Est-ce que vous êtes angolais, est-ce que vous n'êtes pas. Le temps que nous pouvons prendre une semaine, 2 semaines juste pour vérifier si vous n'êtes pas. Vous êtes différent du ministre du Mouyaya. Parce que vous, moi je pensais que ce soir ici, on pouvait déjà. Vous me donnez quand même le temps de vous répondre. Je dis que vous êtes là. Combien êtes-vous journaliste? Je vous reconnais par le visage quand je vous vois à la télévision. L'autre que je vois avec des barrettes, là, je le vis ici. Il est là. Souvent, le matin, quand je me réveille, je vois là. Il fait l'émission de... Le panier. De panier, de café et tout ça. Je le regarde, mais je le vois aujourd'hui. Je vois la grande dame qui est là, qui est passée. Elle est une bombe pour tout le monde, je sais. Et, oui. Au sens des questions, évidemment. Au sens des questions, oui. Au sens des questions, madame. Je vous apprécie beaucoup. On parle de madame Rachel. Madame Rachel. Alors, vous ne serez pas formé tant que vous ne serez pas membre de l'ONIP. Mais venez, si vous quittez, vous démissionnez, vous venez à l'ONIP. Écoutez, de toute façon, vous allez être formé. C'est pourquoi nous faisons cet exercice. Parce qu'il faut de la pédagogie. Parce qu'évidemment, c'est comme lorsque vous voulez vous faire enrôler. On vous dit, pour ceux qui ne disposent pas de carte, vous devez amener 5 personnes. Qui a texte que vous appelez effectivement tel. C'est des exercices qui sont similaires et qui peuvent se gérer au cas par cas. Si vous avez par exemple la carte, comme vous aviez eu 70 ans il y a quelques mois, la carte verte de l'époque et qu'on estime que c'est une carte qui peut servir de référence pour vous identifier, par exemple, ou la carte des lecteurs, etc. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le dispositif pour l'identification est prêt et l'exercice va commencer. Ça va se faire de manière pérenne. Évidemment, ça doit s'accompagner de la formation parce qu'il doit y avoir, et je souhaiterais peut-être que M. Huet nous dise quelque chose, si ce qui est prévu, parce que c'est une technologie qui est la vôtre, peut-être qu'il y a ce qu'on appelle
transfert des technologies ou je ne sais pas à quel degré ni comment le dans présenter. Dans notre bon jargon industriel, on appelle ça une courbe d'apprentissage. Courbe d'apprentissage. Voilà. Et donc, c'est prévu dans le... Oui, il y a dans le plan et dans le plan qu'on discute avec l'ONIP, il y a cette courbe d'apprentissage. Tout système et toute nouveauté prend du temps à être approprié. Le plan, c'est que les Congolais puissent s'approprier ce système. Donc oui, il y aura de la formation à tous les... des agents, mais aussi des gens qui vont opérer le système. Voilà. Voilà, parce que le système, il est complexe. Il faut avoir un data center de base de données, parce qu'il faut les gérer, il faut les sécuriser. Alors, je crois que nous allons terminer cet exercice, mais je voudrais rappeler ce que j'ai dit en liminaire, na lingala, pona bato bazo landabiso, ezalaka promesse mokonzambo kasalaka, bomonaka le 30 juin, mokonzambo kazwaka carte d'identité naye, les longues appels carte d'identité nanga partir à lobby suivant ma disposition et copé sa man à niveau ministère intérieur ba congolais nyo so baroki ko se présente. On va s'organiser avec évidemment la direction de l'ONIP parce que dans le cadre de l'appropriation ou de la compréhension, il faut que les journalistes comprennent le processus parce qu'eux seront en mesure d'expliquer aux autres comment ça va se passer. Donc, nous aurons l'occasion de discuter avec vous à ces propos pour voir comment cela va se faire. Évidemment, nous avons la contrainte des élections dès mercredi. Mais après, nous aurons la possibilité de le faire. Nous allons terminer cet exercice. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour terminer, monsieur le directeur général. Je suis très content d'avoir été complété, d'avoir trouvé un membre de l'ONIP qui se trouve être le ministre de la Communication, qui évolue comme un membre de l'ONIP. Je suis très content de l'avoir trouvé. Merci. Et surtout l'attention que le public nous a accordée pour suivre de près ce processus dont ils doivent s'approprier. Merci. Merci. Alors, l'expert, vous avez un mot à dire à la fin? Oui, j'ai une simple conclusion. Nous, IDEMIA, on est très contents et très heureux d'apporter notre technologie au concours de votre nouvelle carte d'identité. Merci. Il faut que je reprenne en lingala? Pourquoi? Hein? Bon, on va na kobandela o na lobaki. Ezalaki promesse moko ferme. Au président de la République à Salaki, au premier ministre à Reiteraki, qu'il faut toper sa ba congolais carte d'identité. Processus Ezaki Moulaï, depuis président Azwaka Yayes, carte le 30 juin, Yamboulao Eleki. Batoubaleka qui n'a pas réseau sociaux, ba critique qui bisomingi balobi. Ah, bo pesika mon kondi ba congolais, ba kozwa carte d'amango, mou kolonini. Moussale Zalaki ko salama, na niveau. Il y a l'Office Nabisso de l'identification de la population Tobengara ONIP, na partenaire na bango IDEMIA, oaza leader mondial na makambo etali ba carte pour bango de basala ka ba permis ne moto Tobengara ba permis de conduire na États-Unis d'Amérique mobimba. Yango biso na tawana bazaki komi lengela parce qu'il faut komema ma machine, il faut ko sala ba formation ou ko sala ke l'air ba ko banda processus pour processus ya identification l'air ba ndeko silate. Ba Congolais tobota ra tous les jours ata ba bébé otozobota il faut ba bébé wana baza la paix en mesure à cause à la identifier madame Rachel Alobi yepe ceux qui a une ningisa ya robota mana mususu a oza na possibilité pe ya roya ko identifier et la kisike Musala Oyo président de la République Alobaki l'herbiso tolobara président Fachi Foundation les loto créé to sali fondation ko sala ke Congolais a s'identifier comme Congolais depuis tokola tous à cana ba attestation des pertes des pièces ba pièce oyo mususu otikala kozala na ngote kasi ya touroyo to komi na carte d'identité to kozala na fichier général de la population et kozala lisoute ba enrôlement de to mona ba enrôlement salami na seigneur ezo coûte cher parce qu'à partir ya fichier wana to koki ko banda kolongo la bao ba koki si 18 ans parce que kozala neti moyen moko pona ko contrôler évolution à population
bao bazo kufa bazo biba bao bazo botama bazo kota donc oyo eza fondation ya motuya oyo président de la République na gouvernement abiso ba warrior toposé na makambo etali identification ministère ya intérieur ekopé sa ba communication nenge processus ekobanda ko salema pona ba congolais nyonso bisika nyonso bazali bazwa ya bango pe carte. Je rappelle pour terminer que la carte ici a été conçue avec toutes les normes de sécurité modernes. Qualité irréprochable, je pourrais vous le donner pour le toucher. Sécurité maximale, fiabilité garantie, moderne selon les normes internationales et compatible aux nouvelles technologies. Yasuka, la carte Eza, ya ofele. Okofute la yango, mbongote. La carte, elle est gratuite et c'est sur décision du président de la République. Les coûts liés à la production sera pris en charge par le gouvernement. Wanabatu, il faut pas comprendre on a kimia. Je vais terminer cet exercice, Madame Rachel, parce que c'est vous qui m'avez posé la question en début. Il faut pas que les Congolais aient peur d'aucune manière. Tous ceux qui vont s'aventurer à perturber l'ordre public retrouveront en face de l'État. On ne peut pas intimider les Congolais, comme disaient certains, à la veille des élections. Vous avez suivi, la campagne électorale se déroule dans la sérénité. Nous étions ici, on disait de certains candidats qui seraient exclus. Mais vous avez vu que tous ceux qui ont été candidats ont été retenus, ont été confirmés par la Cour. Vous avez vu aussi que pendant 3 semaines et bien plus aujourd'hui, que la campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité. Ceux qui devaient voyager ont voyagé. Ceux qui devaient aller à tel endroit, s'y sont rendus. Il y a des gens qui prédisaient la violence, qui pensaient qu'on aura un processus électoral où les Congolais vont se dégirer. Vous avez vu, en dehors du drame que nous avons connu à Mbanzangungu après le passage du président de la République, évidemment le drame de Kindu aussi, on n'a pas eu autant de morts que certains laboratoires auraient prédit. Autant nous avons été dans cet esprit patriotique durant cette campagne électorale, autant nous invitons tout le Congolais à la date du 20 fixée par la CENI pour que nous allions voter dans la sérénité. N'ayez aucune peur qu'on ne vous intimide pas. La seule structure qui est habilitée à proclamer les résultats, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Nous tous, nous allons participer au vote. Ceux qui vont gagner, gagneront. Ceux qui vont perdre, perdront. Mais nous considérons que c'est les Congolais qui vont gagner parce que notre démocratie sera consolidée. Il y aura un 21 décembre, il y aura un 22 décembre, il y aura un 23 décembre, il y aura la Noël et les Congos doivent continuer. Nous savons qu'il y a des laboratoires qui pensent pouvoir perturber les déroulements du processus. Il y a des laboratoires qui veulent contester les résultats avant même la tenue des élections. Nous, comme gouvernement, nous allons nous assurer que la volonté du peuple congolais est respectée, que l'ordre public est maintenu et que personne ne viendra gâcher le rendez-vous électoral pour lequel nous travaillons depuis des années. Je ne vous donnerai pas des consignes de vote, ce n'est pas les lieux, mais vous tous, vous savez que vous devez faire le choix qui nous permettra de faire évoluer notre pays. Je vous remercie.